Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reviser vite sur les mots interrogatifs et puis on va compléter notre leçon de roman au secours. Mais maintenant, on va compléter avec les mots interrogatifs. On a si, quand, au, qui, quoi, comment. Pourquoi, combien? Je répète encore une fois les mots interrogatifs qui on a. Quand, au, qui, quoi, comment, pourquoi et combien? Quand, ça veut dire when, au, where, qui, who, quoi, like, que, qu'est-ce que? Ça veut dire what, comment? How, pourquoi, why et combien, how many. Alors, si on veut compléter cet exercice, commençons par numéro 1. Je avec le chat. Je avec le chat. La réponse, Sarah joue avec le chat. Sarah joue avec le chat. Alors, ici, on va écrire qui. On va écrire qui. So I want to say who play with the cat. Who play with the cat. C'est pour number one. OK. Pour numéro deux, vas-tu en vacances? La réponse est si. Je vais en Espagne. Je vais en Espagne ici. I go to Spain. Et si la question, on va compléter les points par O. O, ça veut dire where. O, where. Alors, numéro 3, Coton d'or. coûte les oranges. D'accord? Elle coûte 2 euros. Donc, numéro 3, ici, je vais compléter les points par combien, si je vais dire combien coûtent les oranges, elles coûtent 10 euros le kilo. How much? Pour Monsieur, numéro 4. Monsieur. Bon, pour les points de question numéro 4, tu vas au travail, je vais en métro. Je vais en métro et si j'ai un moyen de transport en métro, alors ici la question sera avec comment. Comment tu vas au travail? Je vais en métro. Pour question numéro 5, le supermarché ouvre. Ouvre, ça veut dire open. Le supermarché ouvre. Il ouvre tous les jours, everyday. Donc ici, la question sera avec quand. Quand, ça veut dire when. Pour question numéro 6, elle est triste parce qu'il veut partir en vacances. Elle est triste parce qu'il veut partir en vacances. Alors, si je vais demander cette question par pourquoi? Pourquoi ça veut dire why? Pour question numéro 7, et le prof de français, Madame Dupont. Et le prof de français, Madame Dupont, la question sera avec qui? Qui est le professeur de français? Pour question numéro 8, vas-tu? Je vais bien. Merci. Ici, on va compléter avec comment? Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Pour question numéro 9, c'est la fête samedi prochain. Samedi prochain, the next Saturday. Alors, ici la question avec quand? C'est quand la fête? La fête est le samedi prochain. Pour question numéro 10, tu ne viens pas parce que tu dois travailler. Tu ne viens pas parce que, ici la question sera avec
Pourquoi? Why? Pour question numéro 11, de vous parler de match de foot de demain. Et si de quoi? Du quoi vous parlez du match de foot demain?